Bonjour à tous, enfin rebonjour, hein, parce que je tourne à la suite de l'épisode, enfin bref, j'espère que vous allez toujours bien. Là, dans l'épisode précédent, on a battu la championne d'arène de Union Police. Donc au niveau des Pokémon, Chimpanfeu est au niveau 34, Terra 32. Vanchot 33 et Psychoca et pardon Psychoquack qui est au niveau 32. Donc normalement encore un tout petit niveau, il devrait évoluer en Aquaquack. Bon, attends, je suis pas allé là-dedans et j'ai remarqué que la dernière fois il y avait des Pokéballs que j'ai pas pu récupérer. Bon, on va passer par là. Là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pokéball, parfait. Allez, hop, on la récupère. C'est un foulard jaune, c'est ça? Foulard, je sais pas. On va ça plus tard. Ah, d'accord. Quoi ce truc? Wow, c'est quoi ces beans? Non, attends, est-ce qu'il y a un moyen pour que moi je passe à côté? What the fuck? Alors comment je fais pour aller en bas? C'est quoi ce... Bon, tant pis, hein. Pas grave, à continuer notre aventure. Je sais pas du tout, ça fait tellement longtemps que j'ai joué au Pokémon Platine, je sais plus trop où on doit aller. Bon, on va aller par l'instant, hein. Donc là c'est le concours de Pokémon, on va pas y aller parce que je suis nul. Donc là on peut passer. Oh, tu veux quoi toi? Tu m'as fait attendre, Rag. Mettons les progrès que nous avons fait à l'épreuve. Que nous avons fait à l'épreuve, toi et moi. Donc un petit combat Pokémon, quoi. Eh, réveille-toi, tu es dresseur. Et un dresseur, tu dois être toujours être prêt à combattre. Il n'y a pas de jalousement qui tienne. Que le spectacle commence. Allez, si tu veux, pourquoi pas. Hein. 4 Pokémon, 4 Pokémon, parfait. Une Dorina, niveau 25. Bon, on va mettre ça à clé. Et Lilian. Oula, la tenue. Acide Amur. La défense augmente beaucoup. C'est pas grave. Moi, mon attaque, c'est une attaque SP. Ah, il y a des. Pardon. Voilà, merci, au revoir, Nidorina. Merci de m'avoir donné un petit peu d'XP. Migalos. Ça aussi, ça va être réglé. J'avais capturé un Mimigal, je crois. Bon, je sais pas trop si je vais l'entraîner, hein. Il va faire partie de mon équipe. J'avais aussi un Caputo, je crois. Ouais, je sais pas. Bon, un Caninos. Bon, attends, on va le garder. Allez, super puissance. Non, Caputo, je sais pas l'entraîner, je sais pas le mettre dans mon équipe parce qu'il est venu au niveau 40 et au niveau 40, bah c'est long. Je peux pas vous mentir. Allez, hop. Rafflesia, ça aussi ça va être rapide. Allez, on termine avec allez, éruption. Oui, donc en off, j'ai monté grave le niveau de mes Pokémon.
parce que Rodan Nuzlocke c'est un petit peu compliqué, hein, surtout avec des Pokémon cités. Bon, il devrait évoluer. Ah, moi j'ai raconté n'importe quoi. Non, c'est bon, il évolue. Poum 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 poum. Donc Aquacouac. Voilà, on dirait qu'il danse. Bon là pour pas de mieux attaque, c'est pas grave. On dirait que ma stratégie infaillible ne fonctionne pas. Dis Oracle, tu te rappelles ce que je t'avais dit. Fais en sorte que tes attaques atteignent leur cible et évite les attaques ennemies. Je pensais tenir la tactique parfaite, mais elle ne vaut pas. Je vais devoir avaler ma fierté et entraîner encore mon équipe. Bref, passons, je pars, nanana. Donc là, je veux voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, à quoi quack. Attaque 65, défense P 53, attaque P 74, défense P 69, vitesse 73. Et capacité spéciale, feuille garde, empêche les problèmes de statue au soleil. Donc ça va me servir à rien. Donc il est devenu très très rapide. Hein. Bravo. Bon, donc il reste encore un niveau pour chapeau feu. Donc ça, je vais lui donner l'XP à Mutilex, à Ptera. Parce qu'il est comme le 32, donc. Bref. Et on va mettre Aquacouac en deuxième position. Donc je veux vraiment Samian Brass. 209. On peut capturer un nouveau Pokémon. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Un Rattatak! Non! Plus la mer ce Pokémon. Plus la mer. Bon, il est busy là, non? On va le tuer. Là, de tous les Pokémon, il fallait qu'on trouve un Rattatak. On va le capturer parce que. Ce qu'il me reste. Ah oui, de la merde. Donc, Super Bowl. J'ai oublié d'en acheter dans l'autre ville. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être un chenipan. Allez, au Nord Bowl. Rattatak. Ouh. Ah, qu'est-ce que je raconte, c'est vraiment merdique ce Pokémon. Oula. On aurait pu avoir Elekid. Ah là, je suis blasé les gens, je suis blasé. On aurait pu avoir Elekid. Vive griffe, j'en ai déjà une, donc ça m'en fait deux. Attends, il tient quelque chose à Rattatak. Puis là. Waouh. Donc il me... Ah ouais, on peut pas. Fier. On peut pas suffire. Donc il y a une option là. Bon, Quand on va arriver au centre Pokémon, je vais choisir un autre Pokémon qu'on va ajouter dans mon équipe. Parce que ça devient un petit peu urgent, quoi. Parce que 4 Pokémon, j'irai pas très loin. What? Qu'est-ce que je raconte? What? Ouais, il m'arrive aussi de mal prononcer les noms des Pokémon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, hein, je suis comme ça. Donc Ramolos, on va changer de Pokémon.
Elle est aquacoque. Bon. Elle est assurance, vu que c'est aussi un Pokémon psy. Oh bon, one shot, super efficace, super. Je crois que c'est un Pokémon seul en plus. Je crois que c'est un Pokémon acier ou seul en plus. Par là, ça va faire x2. C'est super efficace. Terre, ok. Ok, on va changer Pokémon là, mais on va envoyer un Charpon feu. Ouais, mais chien bois parce que il y a les voisins qui promènent aussi leurs chiens, du coup c'est baston hein, mes chiens à bois. Bon bref. Là, ça fait 11 minutes qu'on tourne. Oh là là, la super canne. Ah, Pokémon de... Allez. C'est parce qu'on combat toujours ensemble qu'on est si fort. Oula. Bon, ça va être rapide. Non, on va pas être quand même touché à Quack-Quack. Toi, ce mur te craque noir. C'est dimanche, je sais pas ce qu'il y a à la télé. Je vais vérifier ça avec grâce à la pli. Il est où? Oh, le bonheur. Ah, sur France 2 à 20h55, il y a l'Anarcheur. J'avais regardé ça il y a quelques années avec des potes à moi. C'est un bon film, hein, je vous le conseille. C'est plus une comédie que... Enfin bref. Donc Capital, c'est naze. Enfin, c'est naze, enfin pour moi quoi. C'est intéressant, mais bon, c'est pas le truc que je regarde. Que je regarderai tous les soirs quoi, surtout pas un dimanche. SOS ma famille a besoin d'aide, je crois que c'est avec le grand frère, comment il s'appelle déjà le mec, Patrick. Comment il s'appelle le mec, Pascal, pardon, grand frère Pascal. Donc, y'a rien d'intéressant. Enquête exclusive à 23h sur M6. Donc moi, je serais en train de dormir. Désespère. Oh là 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 là. Bon, dimanche, hein. Les trucs qui passent à la télé, c'est merdique. Au pire, bah, je regarde des petites vidéos sur YouTube. Hein. Bon, les billes là. Merci, au revoir. Pour Aquacouac.
Là, tu vois bien hein, les pots trempants. On est au 33, lui au 20. Ah oui, ça me fait penser pour les femmes de Gotham. Donc 11 jours, là on est le 6, enfin là où je suis en train de tourner, on est le 6 septembre. Dans 11 jours, il y a déjà. Attends, je crois que c'est le 21. Il sort le 21. Hein. Non, en fait, dans 11 jours, c'est mon anniversaire. Enfin, donc le 17 septembre, ça sera mon anniversaire. Et le 21. 21 septembre, il y aura la saison 2 de Gotham qui va commencer. Donc, bon, je suis un petit peu impatient. Hein. Enfin, Gotham, c'est pas le truc, c'est pas la série que je m'intéresse. Hein. C'est plus Flash ou Arrow. Non, Orbe de vie. Bon, mais Gotham, ça reprend. Ça reprend un petit peu l'histoire de. Enfin, non, ça. C'est un peu comme Smallville qui raconte un petit peu le début de Batman. Hein. Bon, ça parle de Gotham avant Batman. Donc, c'était une ville. En fait, c'est plus une série policière qu'une série de super-héros, en fait. Mais bon, c'est plutôt bien, c'est noir, ça parle de méchants, ça parle de flics pourris, enfin bref. Donc moi, je vous conseille de le regarder, c'est toujours bien. En plus, ça raconte aussi l'histoire des méchants, en fait. Ça parle aussi des débuts. De Jim Gordon au tout début de sa carrière, c'était un soldat, c'était un militaire si je me souviens bien. Son père était commissaire de la police de Gotham, puis lui à son tour il est devenu inspecteur, puis voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Que les Nox, non, c'est pas une grosse perte, c'est pas une grosse perte. Bon, ça me saoule parce qu'il est toujours au niveau 35 et ça va prendre un peu de temps pour le faire évoluer. Wow! Ah ouais, super. Bizarre lance. Ok. On va continuer, on va monter un petit peu plus vers le haut. Attends. C'est un cimetière donc. Si ça se trouve, on va trouver des Pokémon intéressants. Là, il y a un dresseur. Ah, fantôme, attends, Attendez un instant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant là, chiant. Allez, Billy là. Bien sûr, au revoir.
Attaque solide. Terre ignorante. Ok. Super puissance. J'espère que ça va être efficace. Je crois en plus. Enfin. En temps normal, je crois que sa capacité spéciale, c'est. C'est. Comment dire ça? En fait, quand vous faites une attaque super efficace, il lui reste toujours un PV. Il lui reste toujours un PV pour qu'il attaque juste après, en fait. Donc, c'était un petit peu chiant, si je me souviens bien, quand j'ai joué sur Pokémon X. Non, Y. Bref. Putain, faut chier. Pourquoi ils promènent leur chien le soir? Je crois pas. Attends, mon Pokémon va quand même la ramasser. Roche chaude. Je sais pas ce que c'est. On verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que ça va être? Atopiqueur, je l'ai déjà capturé. Donc on s'en bat les couilles. Ça va être vulgaire. C'est quoi ce musicien? M'a volé mes Pokémon, c'est la team Galaxy qui a fait ça. Depuis, j'ai pas pu oublier leur visage. Ah, Loubar, développeur qui bug. Les NDR. Donc ça va être intéressant parce qu'au niveau. Enfin, normalement il devrait évoluer au niveau 36. Voilà. Est-ce qu'il va évoluer? Parfait. 36, c'est donc il va évoluer. Déflagration. Ouais, pourquoi pas, hein. Non. On va pas la prendre parce que on va pas la prendre parce que un, je vais garder Ebily Love parce qu'il a 35 PP. Ah, Damoclès. Et de deux la précision de déflagration est de 85, je crois. Donc il peut arrêter ses attaques alors que Réption n'arrête pas, quoi. Bref, je vais décider de le garder. Allez, vite, dépêche-toi. Simabrace. Alors, je vais un petit peu regarder les stats. Donc 87, attaque, défense 87, attaque SP 86, défense SP 65, vitesse 69. Découvre la capacité ennemie la plus puissante. Prédiction. Ok, on va mettre Bancho première place. Voilà, donc on va rester là-dessus. Que des top pickers, c'est pas possible. Le gâteau, ça permet de remonter un petit peu les PV, c'est ça? Non, pas celui-là, Skelenox.
Bon, bah, on va devoir le capturer. Hein. À contre-cœur. Donc, je sais pas s'il va le tenir. Non, il le tire pas. Ouais, c'est pas une grosse perte. Hein. Je vais pas vous mentir, des Pokémon comme celui-là, c'est pas une grosse perte. Je peux pas l'expliquer, être ici me pousse à me battre. Magikarp. Entre nous, Magikarp, je pense que c'est le pire Pokémon qu'on puisse avoir. Je crois que la trompette lorsqu'il va évoluer au niveau 30, l'alligator il va être grave cheaté en fait. Donc là ce qu'il me faut c'est. Donc là j'ai deux Pokémon de feu, dont un donc un Pokémon de type combat, un Pokémon eau et un Pokémon vol et roche. Donc là ce qu'il faudrait c'est un Pokémon de type poison ou électrique. Ou un Pokémon psy, ce serait sympa. Hein. Des Pokémon spectre, non pas trop. Hein. Pour faire des attaques psy. Allez, on se dépêche parce que là ça fait quand même 27 minutes et on n'a pas fait grand chose à part faire voler le chimpanzé feu, c'est tout hein. Bon, je vais faire durer exprès cet épisode pour qu'il y ait plus de contenu en fait, hein, plus de trucs intéressants. Donc je sais pas, Ponyta est venu au 40 ou 40. Attends, je vais voir sur mon PC, sur mon téléphone. Parce que ce serait quand même un petit peu intéressant de savoir à quel niveau quoi. Et puis, ça fait une info de plus. Je vais faire lance-flamme. Donc, Ponyta. Oh là, il a tenu jusqu'au bout. Ouais, donc super potion, c'est génial quoi. Non, c'est au niveau 40. Oh, ténacité. Oh putain! Ah! Donc ça va être rapide. On va survoir. Assurance, écho. Sur écho. Je crois que c'est un Pokémon de type psy. C'est super efficace. Distorsion. Ah, c'est grâce au sol. Un pied vautis, c'est fatal. Hein. En soi, ça,
C'est une bonne attaque, mais si tu le rates, tu tombes par terre, tu te blesses. Ok, donc là c'est bien. Donc là, ça se présente plutôt bien. Hein. Je parle de mon équipe. Oula, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Granivol. Je crois que ma soeur a aimé ce Pokémon quand on jouait à ça, quand on était petit. Bon, c'est encore loin ou quoi là? Ah, Pistopoing! Est-ce que je vais le donner à Cénoraz? Attends. Le lanceur envoie des coups de poing aussi rapides que les balles de revolver. Frappe toujours en premier. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Ah, c'est type acier. J'avais cru que c'était type combat. Bon, bref. Allez. Théo. Pas un H à Théo. Bref, je ne peux pas me ridiculiser encore, pas devant mon petit ami. Je ne veux pas encore avoir l'air ridicule devant mon petit copain. Oh, d'accord. Okay, je crois que ça va être un tout petit peu compliqué avec Crocodile. Crocodile, je sais pas comment on prononce. Berceuse sur Crocodile. Non, il a raté son attaque. Oh. Sur Ponyta. Ah la merde. Bon, il va falloir changer de Pokémon. Terra. Et toi, sonneur sur Galégon. Je sais pas, c'est sur moi. Non, tu rates ton attaque encore. Oh, oh, fils de espèce de chien. Là. Allez, pique-pique sur Crocodile, toi ce mur sur lui. Dépêche-toi, hein. Bien sûr, non. Putain, il m'a fait peur. Ultra laser. Toi aussi, tu rates ton attaque. Cruel. Bon, donc ça fait 2v1. Une assurance. Hein, comment ça se fait tu rates ton attaque? Ouais, c'est peut-être aussi à cause du brouillard, mais là il fait que rater ses attaques. Ah là putain, je crois que c'est son cinquième fois. C'est sa cinquième attaque qu'il rate. Je crois que l'attaque frénésie permet aussi d'augmenter à chaque tour en fait. Oh là là. Allez, c'est bon. Là c'est terminé. Je vois rien. Je vois rien. Ah, j'ai pas l'anti-brume. C'est où je le trouve l'anti-brume? C'est pas dans le truc. C'est pas dans Uniopolis. J'espère pas quand même. Mineur, personne. Attends.
Bon, on va arrêter la vidéo dès qu'on sera arrivé dans la prochaine ville, je sais plus si où. S'immiscer quand je suis avec Anne. Hein? Tu veux te battre avec moi? Je veux bien si je peux faire équipe avec Ted. Psycho quoi qui est pas top. Donc, pour bon, je vais mettre lance-flamme sur octobre. Ça sur psychocoque pince masse je tiens bien. Hypercute sur Psychocoque et assurance sur lui. Ah, donc l'anti-brume, c'est dans les grands marais de Verchamp. Ok, d'accord, d'accord. Surf Celestia. Force sur l'île de fer. Vol. Dans l'entrepôt de la galaxie, de la team galaxie, escalade route 217. Ok, alors on est arrivé. Allez, hop, on ramasse un petit peu. Donc notre pote Enzo, il me semble, il s'appelle Enzo, a trouvé le CS anti-brume. Donc là on va aller acheter des Super Balls maintenant. Et pour ce genre, il m'en reste Total Soin. À Bonville, on se trouve à Bonville. On va mettre Aquaquack devant et on va lui donner un truc. Rien du tout. Il n'y a pas de. Là, j'étais en train de regarder et il n'y a pas d'objet qui puisse aider à quoi quoi. Allez, ratata, tu vas là-dedans. Allez, on se fait encore un Pokémon. Allez, un bon Pokémon s'il te plaît. On croise les doigts. Vigoroth.
science. Hypercute. Oh. Ah, fils de... Elle est berceuse. Elle est sac. Et il y a plus que la superbe. Bon, pourquoi pas, j'avais pensé à un autre Pokémon. Mais... Bon, voyons voir un petit peu. Son cœur bat 10 fois plus vite que la normale, c'est pourquoi il ne tient pas en place. Je sais pas si je vais le garder. Donc, il est pas super rapide, penseur. Ouais, que des attaques normales. Bon. Bon bah on va s'arrêter là. Hein. Donc on a joué que 12 heures. Oh bon. Bon là je vais upload quelques vidéos.